les vidéos. Déjà, Dieu merci que je suis en Europe, je n'ai pas fait comme d'autres blogueurs. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chiens baoulés sur les réseaux sociaux. Lesquels, par exemple? Ceux qui veulent le temps en bois qui ne blessent pas. Là. Non, non, il faut dire des noms. Non, je ne peux pas dire des noms, il y en a beaucoup. Ah, Poutou National? Non. Lui, c'est quelqu'un de. Yaka de Paris? Non. J'ai dit certains blogueurs. Attends. Voilà. Mes frères, c'est Libye. Ils sont les chiens baoulés. C'est un Bobli? Bobli. Bah, lui, c'est le plus gros même des chiens baoulés. Fafa. On a l'intime impression que votre ligue de blogueurs, même, c'est ce qui vous a tous divisé, même. Non, la ligue des blogueurs ne nous a pas divisés. Sachez une seule chose, quand vous fondez quelque chose sur le mensonge, ça commence par tomber. Petit à petit, ça va tomber. Mais comment ça a été fondé sur le mensonge? Parce qu'il y a des dits qui se disaient dedans, qui n'étaient pas la vérité. En fait. Et tout le monde attendait, tout le monde patientait. Bravador, personnellement, moi, je peux le répondre. Okay. Moi, j'étais secrétaire général. C'est moi qui ai confectionné tous les documents administratifs de la Libias. C'est moi qui était le cœur de la Libias. C'est moi qui disposais de tous les dossiers de la Libias. Okay. C'est moi qui suis allé à la préfecture pour légaliser la Libias. C'est moi qui payais avec ma carte bleue. Le comment on appelle ça l'avocat. Je sais pas si c'est un juriste ou bien quoi. De la Libias, c'est moi qui payais. Personne ne m'aidait. C'est moi et ma copine, on a pris les fonds propres à notre agent pour payer la Libias. Pour que le statut de la Libias soit reconnu en France. Parce que moi, j'envoyais les documents à Barbados. Je dis tout le service que j'ai demandé à Barbados à la Libias. Va légaliser ça à Abidjan pour que la situation soit reconnue. Il n'a jamais fait. Moins pas. Il n'a rien fait. Il n'a jamais rien foutu que le gars vient là, il commence à parler de la Libias. S'il y a quelqu'un qui sait, je ne sais pas comment je vais te dire, c'est dépapouillé pour la Libias, mais c'est bien l'unique. C'est moi qui étais sur tous les terrains, que ce soit document, tout. Mais moi, sur le gars, laisse mon bar comme ça, et puis il m'a fait ça. Personne ne m'accompagne. Et puis toi, tu viens t'asseoir là. La Libia, c'était. Non, c'est bon. On t'a vu sortir sur les réseaux sociaux pour prendre parti pour manager confirmé. Okay, sur quoi tu t'es appuyé pour prendre parti pour lui? Déjà, c'est pas congélateur, c'est pas de la bouche de congélateur, ça sort. Ok. Et mon combat ici, là, c'est pas contre congélateur. Je veux que les gens essaient de. Je peux pas me battre avec un qui est malade, en fait. On ne sent pas bien. D'accord. On n'est pas bien. Je combats ceux qui sont aux alentours, autour de lui. Écoute-moi, quand ça a commencé, c'est sûr, c'est parrain d'abord qui ont sorti ça de leur bouche. Et eux, ils disent qui leur a dit ça. Que c'est congélateur. Non. Eux disent, écoute-moi, c'est eux qui disent. Hein, que congélateur leur a dit ça. Mais écoutez-moi bien, on vit dans des états très avancés. Il y a eu touche de je ne sais pas quoi. Mais normalement, là, les médecins sont là. On peut sortir des certificats ici pour nous prouver par A plus B que l'enfant, son derrière a été pillé. Attendez. Parce que selon toi, congélateur ment. Attends, je vais aller au bout de mes idées. Il ment. Si juste après le contraire, on est à 4 mois, 4 mois jour pour jour, et qu'il n'y a même pas un petit certificat. Okay. Maintenant, toi-même qui te bases pour dire que Maradja n'a pas fait là. Tu te bases sur quoi? Tu vas te demander. Je ne me bats pas sur la personnalité de la personne. Il n'y a pas de preuve. Et la moralité de la personne. Donc, quand tant qu'il n'y a pas de preuve dans une histoire, c'est une histoire sans suite. Manadja a dit que lui veut faire featuring Fali Ipupa. Bon, quand toi-même tu entends Manadja chanter là, c'est chic. Mais c'est chic. Quand il chante en baoulé, là, c'est chic. Donc il n'a pas chanté en baoulé, il n'a pas chanté en baoulé, Fali. C'est nous-mêmes, on fait parler de ça. Vous êtes sûr que Fali va accepter Fitu? Donc si je comprends bien pour toi, manager. Tu as comparé Kérosène à Fali. Tu fais fort que Fali. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.